Xana est de retour, c'est ça? Vous avez rallumé Supercalculateur? Comment vous comptez vous battre sans mon aide? Xana est en train de pirater tout le réseau téléphonique. William, t'es malade, tu sais très bien qu'il est pas fiable ce mec. William? On a une attaque de Spectre, Oumi a été touché. Allez, Jérémy, sois sympa. Je veux juste des nouveaux gadgets sur Yoko. Même pas des tout petits rayons laser qui sortiraient de mes yeux. Non, n'insiste pas. J'ai pas le temps pour les gadgets. Et on a deux priorités. Et je te rappelle que Xana... Ah ouais, d'accord. J'ai compris. Vous parliez de Yoko? Super. Surtout, vous dérangez pas pour moi. Yumi, je peux te voir deux secondes, s'il te plaît? Je crois que j'ai trouvé un truc cool pour notre exposé. Bon bah, moi j'y vais les gars, le vent m'appelle. Bon, qui s'y colle? Bon bah c'est cool, on a terminé l'intro. Franchement tu m'impressionnes. Bah, tu sais, je me donne toujours à fond quand il faut bosser en équipe. Je suis fiable contrairement à ce que peuvent penser tes potes. Bon allez, on met ça à plus tard, je dois aller m'entraîner. Ok, à plus. William, t'as oublié un truc? Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Elodie? Ouais, c'est Odd. Bah, t'es là en bien. Le seul, l'unique. Ah, je te dérange? Ah bah ok, bah je te rappellerai plus tard alors. Technique classique. Elle fait comme si elle m'aimait pas alors que... Elle en peut plus. Ah, oh, c'est mes yeux où ils s'embrassent, là. Je vais me le faire. Ah, c'est pas William, c'est un Spectre. Au secours. Ça va, Yumi. Yumi. Ça va, t'inquiète pas. On est là. Je t'occupe d'elle, je vais faire diversion. Ok. Viens mon gros, je suis blindé de code. Jérémy, on a une attaque de Spectre, Oumi a été touché. Ok, mets-la à l'abri, j'arrive avec Aelita. Ça va, Yumi? Disons que j'ai connu des moments plus sympas. Et Ulrich, il est où? On l'a laissé dans le parc. Il fait mumuse avec le Spectre qui a la tronche de William. Bon, y a pas une minute à perdre. On fonce au scanner. Ouais. Yumi, tu t'en attaques? T'inquiète, sur Lyoko, tu sentiras plus rien. Lance la virtualisation. Scanner Odd. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Virtualisation.
C'est bon. Tout est redevenu normal. Jérémy, t'as des nouvelles d'Ulrich? Aucune. J'essaie de le joindre. En attendant, foncez à la tour. Elle est située à 72 degrés est. Tu nous envoies nos bécanes? C'est comme si c'était fait. Il y a un truc qui me dérange. C'est quand même bizarre que t'aies pas fait la différence entre le vrai William et le spectre. Oh. Odd, t'es lourd. Et sinon, je me demandais, il embrasse bien Xana? Je sais pas ce qui me retient de te dévirtualiser. Ça va. Si on peut même plus rigoler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Ulrich? Odd, Aelita et Yumi sont en route pour la tour. Et toi, tu t'en sors? Jusque-là, ça va. Mais grouillez-vous! Bien, Esther! On profite de la pause déj pour faire du sport! Allez! Dunbar! Allez, on voit la sauce! Astralot, t'arriveras jamais à le rattraper! Ok, c'est bon, Jérémy, on voit la tour. Faites gaffe, il y a des monstres qui viennent d'apparaître sur mes écrans. Attention, Yumi. Il y a quelque chose que je comprends pas. Mais d'où ils viennent, tous ces tirs? J'en sais rien, mais là, faut qu'on se mette à l'abri. Jérémy, tu peux me dire combien t'as de monstres sur tes écrans? 3. J'en vois 3. Alors là, il y a un gros problème, parce que moi, j'en vois 2. Oh. Odd, le troisième monstre. Il est invisible. Où te caches-tu, sale cafard? Ulrich? Le Jérémy, vous avez du nouveau? Parce que là, je sais pas si je vais tenir encore longtemps. T'inquiète, on y est presque. Je te laisse y me repérer. Faut se dépêcher. Il y a urgence côté Ulrich. Attends, t'es marrant, toi. On fait ce qu'on peut. Ah ouais, d'accord. Tu traverses les murs, maintenant? Allez, viens, depuis le temps que j'en rêve. Mais qu'est-ce qu'il prend, là, Ulrich? William? Bah oui, qui tu veux que ce soit? Il y a un spectre qui a pris ton apparence, qui me poursuit partout depuis tout à l'heure. Un spectre? Attends, mais ça veut dire que là, les autres, ils sont sur Lyoko? Aelita, balance un champ de force en direction des tirs. Quoi? Fais-moi confiance. J'ai une idée. Donc ça y est, je suis définitivement plus un Lyoko guerrier, c'est ça? On en a déjà parlé? T'as plus ta place parmi nous. Tu te la joues trop perso. Ah ouais? Dis plutôt que t'as peur de la concurrence. Thank you.
Odd, on est pressé. T'es juste à côté de la tour. Fonce, toi aussi tu peux la désactiver. Pourquoi moi? Je déteste ça, rentrer dans les tours. Odd, arrête de parler, vas-y. Odd, tu te grouilles un peu? C'est bon, pas de panique. Bon allez, c'est pas si dur. Ok, maintenant il suffit juste d'entrer le code. Moi, je dis que si j'étais pas passé héroïquement à travers cette horrible paroi, notre ami Ulrich n'aurait plus un seul code. Rien. Nada. Ouais, mais parle pas trop vite. J'ai peur que les spectres aient fait beaucoup de dégâts. Bon, j'active la procédure. J'ai perdu encore plus de codes que je pensais. On va savoir où on est, Xana. 75%? C'est énorme! Xana est en train de gagner en puissance. En tout cas, maintenant, je ferai super gaffe quand même, Phil sautera dessus, hein. Parce qu'on sait jamais. Bon. Je vous laisse, moi. Je vais rejoindre William. J'ai un exposé à terminer. Ah bah moi, je vais aller me défouler un peu. Ça va me faire du bien. Vous trouvez pas qu'il est bizarre, Ulrich, en ce moment? Ça, c'est le double effet William. En voir deux dans la même journée, ça a dû lui monter au cerveau, là. Bon, les gars, c'est pas le tout, mais j'ai dû aller sur le feu, moi. Allô, Elodie? Ouais, c'est Odd. Bah, dès l'heure bien, tu sais bien. Ah, je te dérange encore? C'est quoi, j'adore les filles overbookées. En même temps, ça tombe bien, parce que moi aussi, je suis un petit peu overbookée en ce moment. Quoi, ce délire? Comment Xana fait pour réattaquer si vite? Faut qu'on prévienne les autres. Je m'en occupe. C'est pas vrai, le mien aussi. Faut qu'on aille sur Yoko, et vite. Ouais, mais on a un petit problème, on peut pas repartir avant 12 heures. Il reste encore Ulrich, mais pas question qu'il y aille seul. C'est quoi la solution alors? William? William? Mais t'es malade, tu sais très bien qu'il est pas fiable ce mec. Je crois qu'Elita a raison, on n'a pas le choix. Xana a lancé une attaque. Portable, ça existe, tu sais. Peut-être plus pour longtemps. Xana est en train de pirater tout le réseau téléphonique. Les attaques de spectre, ça les suffit plus, c'est ça? Et les autres sont au courant? Ils sont partis chercher William pour qu'ils allient ensemble sur Lyoko. William? Non mais attends, on nage en plein délire. C'est bon, c'est bien, n'importe quoi. Degrés ouest, territoire des montagnes.
T'es vraiment nul, Ulrich. Tu fais exactement ce que tu reproches à William. Tu te la joues solo. Y'a que toi qui peux encore désactiver la tour. S'il t'arrive quoi que ce soit, on pourra plus rien contre l'attaque de Xana. Ulrich, tu m'entends? Ulrich, réponds-moi! Donc en gros, on m'appelle que quand ça va mal. Mais William, on n'a pas tant discuté là. Il faut vraiment que tu nous aides. Et pourquoi je dirais oui? Parce qu'Ulrich est tout seul et qu'il est en danger. T'as raison. Il n'est pas taillé pour y aller seul, de toute façon. Il est sur le corps. Je suis désolée, j'ai rien pu faire. Et après, on dit que c'est moi qui la joue perso. William, tu prends ce scanner. Il n'y a plus une seconde à perdre. Jérémy, tu m'envoies l'overbike, s'il te plaît? Vois, l'overbike? Je pense que ça va pas plaire à quelqu'un. C'est pas mon problème. Sur ma moto. Eh ben, sympa l'accueil. Alors, j'ai l'impression que tu vas avoir du mal à t'en sortir tout seul. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais, Ulrich? C'est trop risqué. D'accord, j'ai compris. Tu veux jouer à ça? T'es content? Mais à quoi il joue là? À mon avis, c'est à qui a la plus grosse épée. Les gars, concentrez-vous et arrêtez de faire n'importe quoi. Je t'apprendrai un jour. Jérémy, il faut le dévirtualiser avant qu'il tombe dans la mer numérique. Ouais, mais alors plus personne ne pourra désactiver la tour. Jérémy, dévirtualise-le. Attrape ma main. Merci. Je crois que t'as une tour à désactiver.
rassuré, mec. Sans toi, on était cuit. Je suis vraiment désolé. J'aurais pas dû agir comme ça. Oh, c'est pas grave. T'as juste complètement disjoncté. Ça peut arriver à tout le monde. Oh yes, ça marche. Et les affaires vont pouvoir reprendre. Elodie, bloque ton agenda. Odd est de retour. Ça va, Jérémy? Tout ça m'inquiète. Xana est encore faible, mais il gagne chaque jour en puissance. Et ce qui est clair, c'est qu'il veut reprendre le contrôle du réseau. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on serait pas trop de 6 pour lutter contre Xana. Ça te dirait de redevenir un Lyoko guerrier? Bah, je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais non, je rigole, bien sûr que j'ai envie. Ça me fait plaisir d'être de retour.